Dale. Y algo aquí, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Vas-y. ¿Está bien? Bonsoir, ma communauté. Comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Moi aussi, ça va chez moi. Si tu es une nouvelle personne sur cette chaîne, je t'affirme, il est bien pour toi de t'abonner. Parce que ici, on montre les choses de merveille. Parce que le travail, ce qu'on fait ici, là, c'est rechercher. D'autres en payent pour savoir. Ce qu'on vous montre là, c'est en même temps la pratique. C'est l'essentiel. Allez, donc c'est une parenthèse. Regardez, une fois de plus, je suis passé dans la ferme qui est au kilomètre 17, à Yokougon plutôt, pour dire que demain, la vente va commencer. Tel que je vous l'avais dit la fois dernière, c'est aujourd'hui on devrait commencer la vente, mais on n'a pas eu le temps en tant que tel. Donc demain, la vente va commencer demain. Donc demain, à partir de 10h, on est ensemble et on va faire la vente en direct. Vous allez, et donc ça veut dire que manger à 8h, 10h, quand ils vont dire 10h là, prenez vos tables, mangez bien, vous allez suivre comment on va vendre. Les meilleures méthodes, on va les montrer. Comment il faut aller vendre devant les clients, qu'est-ce qu'il faut dire pour que les clients puissent acheter au moins un de tes poulets. C'est l'essentiel, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc vous voyez, ah, ils sont super, ce sont les super poulets. On ne joue pas, la fumée est belle. Regardez, regardez, voilà, c'est de ça qu'on parle. Regardez, il y a d'autres même là. Respirer normalement, même ils n'en peuvent pas. Regardez comment il est. Regardez, ils sont bien gros, gros, gaya, gaya. Et puis, je vais vous donner un conseil. D'autres là, même au niveau de, je vais vous dire qu'au niveau d'Abidjan, tous ceux qui passent dans ma ferme, ils remettent quelque chose qui est différent de leur ferme. Vous voyez comment on a attaché les abreuvoirs? Demandez-moi pourquoi les abreuvoirs sont bas. Et les mangeoires plutôt. Vous voyez comment on a attaché les mangeoires? Demandez-moi pourquoi les mangeoires sont bas. Alors que, par contre, quand tu rentres dans des fermes de certaines personnes, les mangeoires sont en haut. Demandez-moi pourquoi, je vais vous expliquer. Demandez-moi pourquoi, je vais vous expliquer. Et quelle est la différence entre les poulets et puis nos poulets? Voici pour nous, hein. Au lieu de les 1500 doivent consommer, en principe, 90 sacs d'aliments. Je dis bien, en principe, 90 sacs d'aliments à travers certains types d'aliments. Mais chez moi, là, c'est impossible. 90 sacs, jamais. Si il bouffe 90 sacs, là, moi, il n'est pas gagné. Comment ça? Il a fait tout possible pour leur donner 60 sacs d'aliments. Et ils sont arrivés. Ça, c'est sûr, c'est le secret. J'ai gagné sur 30 sacs d'aliments. Calculez. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, le sac, là, si tu n'as rien calculé, il faut faire 16 000 fois 30 000. Et fois 30 plutôt. 16 000 fois 30, ça veut dire que j'ai bénéficié sur 30 sacs. Donc, calculez 16 000 fois 30, vous allez voir c'est combien. Ça dit déjà c'est un bénéfice. Mais imagine si ils sont arrivés que j'ai déjà utilisé les 90 sacs, les jours sont supplémentaires, vous allez voir que j'allais dépenser encore plus. Et toutes ces dépenses allaient sortir dans le bénéfice. C'est pourquoi d'autres personnes n'arrivent pas à avoir le bénéfice en tant que tel. Quand ils finissent une vague, ils sont obligés de dire non, bon, je vais attendre un peu. Ils vont trouver n'importe quoi comme excuse pour dire bon, il y a trop de mortalité, je vais attendre un peu, c'est ceci, c'est cela, c'est zéro.